Quigny est un village dans lequel chaque semaine se déroulent des événements importants. En fin de semaine, nous aurons l'exposition de peinture, la collégiale, et 8 jours après, la fête des géraniums de Piquigny, la 25e fête des géraniums. Et qui mieux que Jean-Paul Plé va nous parler de cet événement, 25e édition, ça se fête bien sûr. Et Jean-Paul, d'abord, on va rajeunir un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez de cette première édition? La première édition, c'était à Amiens-Saint-Valentin, oui. La deuxième, c'était au château de Piquigny. Mais au château de Piquigny, on a vu, compris que c'était trop petit. On a essayé la collégiale à côté, encore trop petit. Et après, on a été au terrain de camping, et puis encore un peu petit. Et puis là, on est arrivé à la Catiche, où là, on a pris nos marques. C'est bien, si, hein. Si on est bien, cadre agréable, tout, on peut faire tout. Et puis après 2 ans d'absence, on va faire une grande fête des géraniums pour fêter les 25 ans. Curieux, les 7 et 8 mai. 7 et 8 mai à Piquigny, 8h à 18h, et puis avec des thés dansants offerts gratuitement aux habitués de la fête des géraniums et à ceux qui veulent bien danser. Hein. Oui, cette année, je vous coupe, Jean-Paul, les entrées sont gratuites. C'est un événement. Hein. Oui, là, avec José Herbet, le maire de Piquigny, on a dit on va faire entrée gratuite après 2 ans de Covid, tout ça. On veut accueillir bien les gens, on veut leur faire plaisir. Donc, fête gratuite, thé dansant gratuit. Le seul truc payant, c'est la grande soirée du samedi soir où là, il y aura hommage à Michel Berger et France Gall, une grande soirée. Là, ça va être exceptionnel. Les gens qui vont venir à cette soirée vont s'en rappeler longtemps. Oui, parce qu'on a un cadre magnifique ici, quand même. Hein. Ah, un cadre magnifique. Regardez, vous imaginez des géraniums dans de la pelouse comme ça? Non, je n'imaginais pas. C'est merveilleux. Ça met en valeur le géranium. Et puis, en plus, l'année 2022, pour notre retour 25e, nous lançons le géranium odorant qui est reconnu mondialement, recherché par les parfumeurs, le géranium odorant rose. Là, qui est rose. Parce que c'est le géranium mondial d'odorant rose recherché par les parfumeurs et pour faire les huiles essentielles. Alors on a dit souvent que Piquigny était copié. La fête des géraniums, on la retrouve dans certains villages. Ils prennent exemple sur Piquigny? Ben, peut-être un peu, mais bon, pour prendre exemple sur Piquigny, on change tellement, on innove tellement que, regardez là cette année, on va voir géranium odorant que je viens de vous parler, rose, mondialement connu, qui est difficile à avoir. Nous, là, on s'est débrouillé. L'été dansant, gratuit pendant 2 jours, il n'y a que nous. La grande soirée, il n'y a que nous. Le grand marché des produits régionaux, il n'y a que nous. Avec des exclusivités, avec des artisans locaux et tout. Il n'y a que nous pour ça. Là, fête des géraniums, on peut copier, mais chaque année, j'invente d'autres choses. On peut copier, mais pas égaler. Certainement pas. Alors, il y a ce marché, on peut trouver de la boisson, du champagne, du vin d'Alsace, du pâté picard, etc. Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a de nouveau cette année. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il va y avoir un marché d'artisanat surtout basé... comme tu viens de dire, produits régionaux, champagne, saucissons, il va y avoir de la confiserie, tout ce qui est de la bière artisanale, et le champagne et les muselets, bien sûr, nouveautés. Des muselets qui auront pour effigie des personnalités piquées, des présidents de clubs. Ah non, cette année, c'est le mot malais en couleur or. D'accord. Sur les capsules. Alors, sachant que la capsule qu'on a vérifiée tout à l'heure à votre présence, elle évalue à peu près à 6,50 € la capsule. C'est-à-dire qu'on achète une bouteille de champagne, si après on vend la capsule à un collectionneur, on la vend 6,50 €. Aujourd'hui, peut-être qu'on s'en moque, mais dans 10 ans, 20 ans, cette capsule vaudra quelque chose. Hein. Et surtout, c'est une quantité limitée. C'est ça. Il y en a un peu moins que les autres années, mais ça va être bien. Et puis un peu, j'ai cédé un peu aux femmes, et j'ai fait... Mais vous cédez souvent aux femmes, hein? Ben oui, mais vous m'avez bien appris, Lionel. Et il y aura de la mode pour femmes, il y aura
un créateur de bijoux qui propose les bijoux aux grandes marques de bijoux qui sera présent. Il y a tout pour faire, pour être heureux pendant 2 jours. Donc vous serez citoyen de Piquigny pendant 3 jours. Tout 7, à fait. 8 mai, et puis peut-être avant, et puis après, bien sûr. Ah oui, non, mais moi je suis là une semaine avant. Une fête comme ça se prépare pas comme ça. C'est un petit cirque qui se déplace à Piquigny. Alors, vous m'avez dit, Jean-Paul, que cette année, vous aurez des nouveaux partenaires. Et il y en a un après nous, hein, c'est ça, c'est David Suvingue, qui va venir nous rejoindre. Vous allez le présenter mieux que moi. David, vous êtes venu, Jean-Paul va vous présenter comme partenaire. Et qu'est-ce que vous pouvez amener? Qu'est-ce qu'une fête comme la fête des Jardins peut vous ramener à vous? Bah, écoutez, pour moi, c'est tout simple. Hein. Nous, on a déjà une ES Déménagement, une entreprise familiale depuis 2 générations. Auquel qu'on a implanté, un de mes associés qui a implanté lui-même sur Piquigny, d'où on a voulu être présent pour cette belle fête. Au niveau des géraniums, on a voulu aussi rejoindre notre ami Jean-Paul Play, qui nous a sollicité pour être partenaire, auquel on n'a pas hésité à répondre. Donc voilà, et puis d'après ce que j'avais pu comprendre, c'est une très belle fête, donc on voulait personnellement y participer. Vous aurez un stand? Alors on va avoir une exposition qu'on mettra. D'où un camion, on va mettre un camion hein, sur place. On aura quelques effigies à notre marque, donc, qui seront un peu partout sur la fête. Donc voilà. Alors Jean-Paul, lui, connaît, mais vous découvrez ce panorama. Qu'est-ce que vous retirez comme impression première? Une très très belle impression. Déjà, le cadre s'y prête énormément. On a, comme a dit tout à l'heure Jean-Paul, bien gros, il y a tout. On voit bien les géraniums partout. Donc, c'est un lieu historique. Exactement. Donc il y a un très bel endroit pour ce genre de manifestation. Est-ce qu'on peut souhaiter Jean-Paul du beau temps, bien sûr? Oui, du beau temps, mais José l'a commandé comme chaque année. Jean-Paul, 25e anniversaire, c'est donc un événement important. On aura le temps de souhaiter le 50e anniversaire, bien sûr, mais là, on pense 7 et 8 mai, le 25e anniversaire, avec plein de choses à découvrir. Hein, c'est ça, hein? Puis d'animation. À déguster, animation festive. Je crois pendant 2 jours, tous les habitants du canton, de la région de Piquigny pourront venir voir, manger, danser pendant 2 jours. Ça va être formidable. Et on le rappelle, entrée gratuite. Entrée gratuite. C'est une première. C'est une première, c'est ça. Et puis, tous des gens sympathiques, beaucoup de nouveautés en géranium, des choses qu'ils n'ont jamais vues dans les jardineries, verront ici. Alors avant de clore, Michel, ici même, les 14 et 15 mai, c'est-à-dire 8 jours après, se déroulera une grande épreuve de canoë-kayak, un slalom national. Donc on donne rendez-vous au 7 et 8 mai, puis au 14 et 15 mai. Merci.